Selon nos critères de choix, ces variétés qui se comportent bien passent en jeu 1. De jeu 1, nous passons en jeu 2 que nous allons voir un peu devant. C'est à partir de jeu 2 que nous donnons les semences aux partenaires, l'ENAE, le centre semencier, les paysans multiplicateurs de semences. Et ces gens travaillent, maintenant ils obtiennent jeu 3. C'est jeu 3 qui est partagé, diffusé au niveau des paysans et des producteurs de riz pour toutes les écologies. Je vous prierai de bien voir m'excuser. Deux questions. Tu dis qu'il y a 350 variétés de riz. 355 variétés de riz ici. Ici, vous pouvez les voir, excellence. En expérimentation. Voilà. L'objectif de cette activité, c'est d'abord le maintien, parce que nous n'avons pas les conditions requises pour garder en frigo ou dans les conditions climatiques contrôlées. Chaque année, nous reprenons ces variétés dans le champ pour ne pas qu'ils perdent leur pouvoir germinatif. L'année passée, on avait 325. Mais avec les pertes de pouvoir germinatif, cette année, nous avons les 350 variétés bien en place. Ah, ça perd et ça augmente ? Je ne comprends pas. Oui, les variétés qui ont perdu leur pouvoir germinatif n'ont pas pu germer. C'est pourquoi ça a baissé un peu. Non, mais vous dites de 325 à 350. L'année passée, c'était 425. Ah, voilà. Cette année, c'est 355. Voilà. Docteur, oui. Quel bloc ? Au hasard, carré latin ? Ici, comme je l'ai dit, pour ce qui est de la collection, c'est les blocs simples, non randomisés, non répétés. Vu le nombre, s'il faut faire des répétitions, ça va prendre une grande superficie. Vous avez dit toute écologie confondue. Je n'ai pas entendu par exemple le coteau ici. Nous avons pris des variétés de coteau, des variétés de mangrove, eau douce, bafon. Mais bon, s'il vous plaît, on peut ajouter aussi que nos centres sont spécialisés. Voilà. La station de Koba est spécialisée pour la récolte de mangrove et des plantes d'eau douce. Le centre de Kélissi, le bafon est pluvial, et Bordeaux pluvial, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas. Sortez un peu quoi. Les coteaux, c'est Kélissi, Cancan et Sérédou. Tu connais, hein? Voilà, on va voir les variétés qui sont à cycle de 2000 ans jusqu'à 160 et les cycles longs jusqu'à 180 jours. Et maintenant, du point de vue rendement, nous avons des variétés qui ont de 2 jusqu'à 5 tonnes à l'hectare dans ce lot-là. Et si vous voyez très bien, Excellence, même par la végétation, nous voyons qu'il y a une différence de hauteur. Et à Koba, il y a les zones profondes. Donc, nous cherchons à trouver les riz de haute taille qui peuvent convenir à ces zones profondes. Dans les plaines simples, les riz de 1m20, 1m40, ça suffit. Mais pour les zones profondes, il faut des riz de 160, 180 cm. Et nous avons expérimenté aussi des variétés à grande production, mais qui n'atteignent pas 90 cm. Là, les paysans ont la difficulté de se courber pour récolter. C'est
pourquoi ils ne choisissent pas ces variétés. Donc voilà la physionomie générale. Tu veux prendre? Non, c'est bon, c'est bon. On a vu les machines là-bas. C'est bon? Oui. Donc, pour la récolte, c'est les machines là-bas. Mais vous devez. Papaya, 1 hectare, M6,07 et CK90, 1,75 hectare. Les dates de ce qui sont là, c'est au mois de juillet août. La superficie totale de 3 hectares 500. La variété CK90, c'est une création de Kilissi, la station de Kilissi. C'est une variété dont le rendement potentiel atteint les 5 tonnes à l'hectare. Ah bon? Oui. Chez les paysans, ça varie entre 2-3 tonnes à l'hectare. Parce que là, il y a assez de contraintes du point de vue sol, préparation et tout. Et tout. Mais en station, l'année passée par exemple, nous avons vu 4 tonnes et demi avec CK90. La variété M6, c'est une variété introduite par la coopération vietnamienne, le projet tripartite. C'est eux qui ont fourni cette semence. En système de riziculture intensive, ça peut donner jusqu'à 7 tonnes. Nous, en station, nous sommes à 5 tonnes à l'hectare d'abord. Les parcelles que vous visitez ce matin ont été repiquées en ligne, un brin par bouquet, avec un écartement de 30 cm entre les lignes et 25 cm entre les plants sur la ligne. Le talage est très fort. Ça varie de 15 jusqu'à 40 tales par plant, à partir d'un seul plant. C'est dire que ce n'est pas la peine de mettre 3, 5, 10 brins dans un poquet comme le font les pays. Il y aura la concurrence entre les plants. Chaque plant ne pourra pas exprimer son potentiel de production. Alors qu'ici, l'espace vital est bien délimité. La croissance est là et la production est soutenue non seulement par un apport de compost, matière organique, et un complément d'engrais chimiques, dont le triple NPK 15 et l'urée technique de 46%. Donc voilà, c'est à partir de ce champ que nous produisons les semences au centre sémencier, aux paysans multiplicateurs de semences et au projet et au programme de développement agricole. C'est ça notre objectif. Cette année, nous avons l'objectif de produire 14 tonnes de semences de qualité avec les 3 hectares 500, avec une estimation moyenne de 4 tonnes à l'hectare. Voilà la situation de ces parcelles. Paris, le tourisme, oui, mais ici, zéro. Entre 13h et tous mes encouragements. Non, accepté. Parce que toute notre politique, la politique du président de la République, c'est l'initiative, c'est vraiment le focus sur l'agriculture, de manière à tirer le. Plus rapidement la pauvreté. Donc, vous êtes des soldats dans la lutte contre la pauvreté. Nos méthodes de travail changent, la vie change et l'espoir est perdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi al-izzah. Walillahi al-izzah. Man ghafala wa ba. Nam. Na hanyu rosabu mo bo igbata fe huma. Atam fe ra sagama. Kana han mina kere akolo nga fala na gamma. Ana nga ka fala ba bara la tanto bara ira. Ako fi gasor na kafa. E bara akolo. Nam. Fe kenya ma. E bara akolo. Foye rabe la ma kun kis gade bara akolo. To wa ma wadu ke buma atam gundi bara akolo. Dans le cas de la Khalatin, Khatin de Sakanakne, et Yilanou, Araba Dari, professeur Alpha Konya Hamengé, Akui, Ayala Mabrafa. Et cet homme est d'une loyauté et d'une humilité que je ne peux pas ici dire. Chaque fois qu'il pose un acte, il dit mon patron m'a dit, le professeur m'a dit, le président Alpha Konya a dit. Joshua, Ndifarane Forkaria et Rambara Kombiki, à Joshua Barkifan. Inga Soswe,
iba shoshwe shoshwe di khori ina rafasa binyara era fasa mabinyana na wallahi mihimu shoshwe rafasa mabinyara era fasa yele fuina abana mihimu shoshwe rafasa ma potana bara atama era fasa binyara na chonje muna professeur alfa konde to sukandiki nam burama konde na nga fala wobe adina kan woyira akhada ma yakamaliki ananyi kamaliki ananyi kamaliki kamali munduma anay feferabama amana gera mamengana khe nakanyi taguna ana ganga iki marabama ni dinya kama wa kolon nadama ya kamali denan nake adama yama miki yigin de fima abinya fima ifa binya na yigira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Donc on ne va pas parler très longtemps parce que la vérité elle se dit en peu de mots. C'est ce fils que Dieu a donné à la Basse-Guinée, que Dieu a donné à la Guinée, que Dieu a donné donc au monde. C'est ce fils qui est aujourd'hui chez vous à Koba. Voilà l'objet de notre visite. Il est venu vous saluer, cher papa. Il est allé jeter un coup d'œil. Là où vous êtes en train de faire la production de riz, parce que c'est dans son programme l'autosuffisance alimentaire. Et si à Koba, il y a aujourd'hui quelque chose sur laquelle il repose ses espoirs pour cette autosuffisance, il dit je vais voir le champ rapidement et je viens dire bonjour à mes papas. Je n'ai vraiment pas de problème, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Ah, je n'ai pas de problème, je n'ai pas amu fama ma sey ya wuyade alimu ko ngorma lebere batun wanga kereni aga san tongwe beto aga fa ko fore yaya aga fa fore khebu aga fa fore kontong kona ba ali ba kui ko fama nga ya tongo atakolo sese mukame ba malaginema fo mbokira wadi Sesemu kameba la ginema fote wakati foba nani wende tona wembembe yira toto du wakati nkebu makameka ba la ginema wamangana wama fatambunse tongo wanama ta farma akwabi ila shwa la ginema foba wonga sembe sa khabi fene na khabi febila kolon malebe mongebe lofurebe sansigbebe nani la ginema kona la gina kama leta nyoha bede nana ratofaki abara khunsa waka khayire ma la abara fa zamanni famatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa sayyidil awalina wal akhirina Allah hay Allah abara yakun sayyidil awalina wal akhirina Allah Ah, il m'aura pas qu'à sorber, qui veut une carrément qu'on a ma brouille. M'aura pas qu'à sorber, qui veut une carrément qu'on a ma brouille. Docteur Ibrahim Kassori Fofana, quand il voit les imams, sa pensée va immédiatement à Frikaya. Son père, celui qu'il a mis au monde, 40 ans, imam central à Frikaya. Karamoko nam wa kolon wama naigari general brama konde lakini fm farama akambi adangi den nakambiri bila khatama ya kolon anafa awo khadi ina hamma sente e ma sey dang den na fatu ngomi be manni ne makaba kuni safe kuni huma ayo ko yefe da hima rakola lama nan to hako ye Ano ko ina tara no ku. Na ha ma sama wobe. Ana na yi baba. Alhai fode fende modu fofana. Nya to ngona ni amigera salma. Khali imu midah annabi rababe idna ma midah. Wallahi khay mi rababe. Ali mo bara gere gira ma. Eh Allah. Ministre de l'administration territoire na habari nwalsa. Ikere dimfe imamu e mabirira.
En effet, imam et toi, bah, voilà. Oui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi alhamdulillah. Ana ma baba war yanna. Amin. Ana ma shafu war ma. Et donc, nous allons laisser les imams préparer la grande prière du vendredi. Monsieur le premier ministre du gouvernement, leur fils. Continue, Wombe. Allah aide nous, Wombe. L'ensemble de la délégation. La préfecture que vous visitez aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, compte 212 583 habitants répartis dans 8 collectivités décentralisées. Jadis rangée parmi les plus grandes poches de pauvreté du pays, Bofa se réveille aujourd'hui grâce à la politique de développement de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Avec une volonté manifeste de faire de la Guinée un pays émergent et améliorer les conditions de vie des populations à la base. En effet, les actes posés pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations sont pratiquement visibles. Je voudrais faire état de certaines œuvres du gouvernement de la Troisième République sous la haute clairvoyance de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Bofa a sa voirie publique bitumée. Toutes les
les sous-préfectures ont l'éclairage public avec l'installation des lampadaires solaires. Le courant électrique a été rétabli dans la ville de Bofa. La radio-télévision nationale a été également rétablie après 10 années de silence total. Le sanctuaire marial de l'Église catholique est en chantier. Le produit fini sera une fierté, non seulement pour les fidèles catholiques, mais également pour l'ensemble de la population de Bofa. La mosquée de Kourerlandé a été complètement rénovée à la satisfaction des fidèles musulmans. Bofa a bénéficié de 2 centres de santé améliorés dans les sous-préfectures de Tamita et de Mankunta avec logement de médecins. Nous avons également enregistré la construction d'un centre épidémiologique, de centres et postes de santé, d'écoles, de forage, de gares routières, etc. L'hôpital préfectoral de Bofa est en reconstruction avec l'ensemble des pavillons. Nos paysans agriculteurs et éleveurs sont appuyés par la mise à disposition de semences et d'intrants de qualité à un prix raisonnable, des fois même gratuitement. Des sociétés minières sont en installation progressive. Bel Air Mining, installé dans la sous-préfecture de Doubou, qui est entré dans sa phase de production en août 2018. Chalco, dont la pose de la première pierre est prévue le 27 octobre 2018 et qui est installé dans les communes de Tamita et de Lisson. D'autres, dont la SPIC à Doubou et Tunipili, Eurasian à Tamita, Achapura à Lisson, Axis Minéral à Lisson et Tamita, Mineral Sand à Doubou, TVA à Doubou, qui sont soit en installation ou en exploration, offrant de nombreuses opportunités aux populations. Pour sa vision et ses approches, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et du développement économique de notre préfecture, nous rendons un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Nous devons tous lui apporter notre soutien inconditionnel pour qu'il puisse mener avec succès les projets de société qu'il ambitionne pour notre pays. Juste à titre d'exemple, si le problème d'électricité avait été résolu hier, le professeur Alpha Condé se serait attaqué à autre chose aujourd'hui. Comme quoi, les défaillances d'hier sont les challenges d'aujourd'hui. Et les défaillances d'aujourd'hui seront forcément les challenges de demain. Alors, profitons de sa présence pour faire bien tout ce qui peut être fait aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Premier ministre, par ma voix, les populations de Bofa attirent très respectueusement la haute attention du gouvernement sur la vétusté des infrastructures administratives qui symbolisent l'État à Bofa. Si la population a un nouf de soulagement, l'État souffre énormément du visage terne qu'il présente à ses citoyens. En effet, la résidence des préfets, le commissariat central, le commandement de la gendarmerie, le PA militaire, la région opérationnelle maritime, la justice, la mairie, les logements administratifs pour les cadres, les bureaux et les logements des sous-préfets sont tous dans un état peu reluisant et jouent énormément sur le moral et le rendement des fonctionnaires. N'a pas eu la chance de bénéficier des retombées de la fête tournante de l'indépendance quand la région de Bokké a été à l'honneur. C'est pourquoi nous demandons humblement à l'État et à toutes les bonnes volontés qu'une solution salutaire soit trouvée afin de restaurer l'image et l'autorité de l'État à Bofa. Un autre problème, pas des moindres, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, est l'inadéquation des qualifications de nos jeunes par rapport aux opportunités d'embauche offertes par les sociétés minières qui sont en train de s'installer. Des formations qualifiantes pour les jeunes, adaptées aux offres d'emploi, soit sur place
ou dans la région sont vivement souhaités pour résoudre cet épineux problème de chômage des jeunes gens, là où les opportunités sont pourtant offertes. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, vous accompagne dans l'accomplissement de vos charges pour le bien-être du peuple guinéen. Vive la préfecture de Fofa, vive le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, vive le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, vive la République. Exécutifs locaux qu'on est en train de mettre en place peu à peu devraient se dire que ce qui est important, c'est le développement des communautés. Ce qui doit prévaloir, c'est la paix sociale, c'est la cohésion, j'allais dire la cohabitation entre les différentes composantes de notre société multiforme. La multiplicité de la société guinéenne est une richesse. Ne sacrifions pas cette richesse dans des égoïsmes parfois trop petits. J'engage les autres exécutifs mis en place de faire comme Bofa. Il s'est réconcilié après l'élection. C'est très clair, c'est visible. Et c'est peut-être un avantage que nos affiliés puissent remporter les élections. C'est une leçon de la démocratie pour une Guinée nouvelle qui aille au-delà de ces divergences puisse garantir la paix et la sécurité pour tous les Guinéens. Le but de notre mission est de traduire dans la réalité concrète les hautes directives du président de la République qui voudrait un gouvernement au service du peuple de Guinée. Il nous a demandé, la Guinée a fait des efforts pour poser les bases de la stabilité macroéconomique. Le gouvernement Kassori doit faire les efforts pour que ces progrès macroéconomiques se traduisent dans les assiettes et le niveau de vie de tous les Guinéens. Pour pouvoir y arriver, nous venons à l'écoute des populations et je dois dire que la tâche est rendue facile à Bofa grâce au forum de la jeunesse que vous avez tenu ici il y a quelques semaines. Je voudrais vous confirmer que le gouvernement, le président de la République, a écouté avec grande attention les recommandations du forum de la jeunesse de Bofa. Bofa veut une jeunesse bien formée, avec des centres de formation. Bofa veut que les édifices administratifs qui ont subi cette vétusté, hélas, qu'on observe aujourd'hui, soient renouvelés. Bofa veut que des opportunités en termes d'entrepreneuriat puissent être données à la jeunesse, aux femmes de Bofa. Bofa voudrait que les trois ports qu'abritent la préfecture puissent servir en termes économiques à la population de Bofa. Bofa souhaite que la sous-traitance dans les activités minières puisse être donné à Bofa pour sortir la ville du sous-emploi. Bofa souhaite que les sites historiques, il y en a 15, du patrimoine historique, je dirais mondial, parce que
La traite négrière, c'est une partie de l'histoire du monde. Et Bofa abrite des vestiges de cette traite que nous devons jalousement préserver. C'est pour ça que je puis vous dire que le président a interdit rigoureusement la cession sous n'importe quelle forme de ces monuments, de ce patrimoine à qui que ce soit. Le président a interdit rigoureusement que les petites activités qui peuvent donner la création de richesses à la population de Bofa, telles que la pêche artisanale, puissent être laissées aux Chinois. Il n'est plus question. Monsieur le maire, c'est une directive gouvernementale. Il faut, et le préfet, il faut y attacher du prix. Je voudrais donc vous confirmer que le forum de la jeunesse a dans ses recommandations donné toutes les dimensions des préoccupations de Bofa. Et je voudrais vous confirmer notre engagement à regarder ces recommandations avec beaucoup d'attention et à faire autant que faire se peut, dans toute la mesure du possible, à faire en sorte que ces recommandations soient traduites en actions concrètes au profit des filles et des fils de Bofa. Bofa, Guinée Nungame, Et même quand la population raconte au premier bas des rimes, tout le monde qui population n'a pas. À mon part, comme tout le monde qui déroule en un amas. On va le faire avec lui. Bon, maintenant, mon ambition va la sonner parce que beaucoup de gens font et forum de la marque Nabéna, ma forum de la jeunesse, et bas la recommandation Naba. Ngunya Seduba Kisi Kamara. Mubara, vous félicitez. Mubara, sois Fayraba. Mubara, Mahandi. Opposition ba. Mouvance ba. Yomo parti ba. Rafa Fendi Boufa Dinana. Rafa Dou Bopane. Rapir Malan. Rapir ça. Le Gekerankui. Alors qu'on peut faire ce qu'il y a à l'aimant. Donc, à d'autres groupes en amène, à d'autres partis ramènent, à d'autres groupes en amène, et nous, gouvernement, nous voulons, et nous voulons faire ce qu'il y a à l'aimant. Donc, nous voulons faire ce qu'il y a à l'aimant. Ça, à la fin, nous Mobara Wokurame, Mobara Wa Tore To, Mofama Weyabide. Mofama Weyabide, Woka préfet, Anu Woka maire, et Fama Nayabi, Yungui Regulin de Woma. Vive Mofa! Vive Mofa! Vive le professeur Alpha Condé! Vive le professeur Alpha Condé! Vive l'unité de la Guinée! Vive la paix en Guinée! Vive la paix en Guinée! Il faut faire la Guinée! Il faut faire la Guinée!
C'est le terrorisme. Ou alors, on a un peu de
mona yai pama ha alati ala pasala lamba. Maître Serva qui s'est camarade, maire de Bofa, commune urbaine de Bofa. Bofa fait Wontanara.